Hello les gens, j'espère que vous allez tous très très bien. Pour ma part, je suis en pleine forme. Je suis trop contente de mon programme de la journée parce que avec ma petite famille, on va partir au parc de Serlin. Ils ont une exposition temporaire en ce moment sur les cabanes féeriques et j'ai trop trop hâte de découvrir ça. Alors les Alsaciens et Alsaciennes, vous connaissez très probablement le parc au moins de nom. Ça, c'est une obligation. Pour tous les autres qui ne connaissent pas, en fait, c'est un grand jardin qui est sur les anciennes usines de fabrication textile. Et en fait, ils ont transformé tout cet espace en musée et en jardin. Et c'est juste absolument magnifique à aller voir. Et puis, en ce moment, pour toute la fin du mois d'août, ils font en fait des soirées nocturnes. Depuis le début de l'été, j'arrête pas d'en entendre parler, en fait. Et j'ai vraiment trop, trop envie d'aller voir ça avec vous. Le parc de Wesserlin est divisé en trois parties. Il y a donc la partie musée qui partage l'histoire régionale de l'ancienne manufacture de textile. Il y a le parc qui évolue donc chaque année en proposant de nouveaux décors. La chaufferie qui est une exposition à part entière qui change elle aussi chaque année. Et autour de ces trois espaces gravitent des restaurants ainsi que des créateurs, artisans et petits producteurs. Le tout dans un esprit de consommation locale et respectueux de l'environnement. J'ai toujours plaisir à découvrir le musée et cette année j'ai été surprise de redécouvrir l'espace enfant qui propose de très chouettes activités. Le parc de Wesserlin se compose d'un potager, d'un jardin qui habite en ce moment des cabanes enchantées, dans celle des trois petits cochons éco-responsables par exemple, mais aussi d'un espace nature. Nous en avons profité pour déguster des délicieux plats locaux. J'ai découvert que nous pouvions aussi acheter des légumes cultivés dans le parc, le tout à un petit prix tout à fait correct. Mon petit plaisir, c'est le sentier Pinus. C'est amusant et ça permet de se reconnecter à la nature tout en découvrant de nouvelles sensations. C'est assez surprenant, mais ça soulage toujours les pieds. J'ai été particulièrement marquée par la visite de la chaufferie, qui en plus d'être une exposition artistique, retrace la vie de cet ancien site industriel. Nous avons pu marcher sur les anciennes structures de la chaufferie en hauteur, c'était vraiment à couper le souffle. Juste là, derrière les arbres, une princesse. Elle raconte des histoires. Mais des fois, elle part un petit peu dans des rêveries et des songes. Attention, si elle s'endort, réveillez-la. Alors le meunier alla chercher sa fille Gabrielle et l'amena jusqu'au château. Et enfin, l'événement spécial de cet été, c'est l'ouverture du parc de 18h30 à 23h30 pour venir découvrir le parc s'illuminer dans la nuit et son esprit de magie. Vous pouvez partir dans une quête à la rencontre des personnages de contes de fées pour aider Hubert à regagner sa place dans le royaume de Wesserlin lointain. C'est une aventure qui ravira vraiment les petits et les grands. Les féeries nocturnes sont proposées jusqu'au 26 août et les décorations en journée jusqu'à la fin de la saison estivale. Thank you.